Gros nouvelle, mon ami yo, bienvenue. C'est sous TAC 509 ou connecté n'importe côté où yé. Depuis où c'est haïtien, ou doué compte tout ça qui a passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublier abonner, commenter, liker, partager vidéo pour travail là, capable avancer. Zami Pao Foucault. Jean-Marie Moïse, qui c'est petite fille président Jovenel Moïse là, gué chance bail détail sous assassinat. Parce que les attaques là t'es faites, l'été la caille là. Yon lot bon, la police en République Dominicaine arrive déposer la patte sou youn nan mesene sa you. Mesdames, mademoiselles et messieurs, moi invite ou rale ti chèz ba ou chita confortablement, mbral ba ou détail sa you nan bon ti mamite. Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous y est? Encore une autre fois, m'abdou merci, et merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer, et merci pour fidélité ou ak patience, merci parce qu'on like, merci parce qu'on abonne, et merci parce qu'on partage vidéo, ça fait nous plaisir en pile. Encore une autre fois, si vous faites tomber sous channel là, pas hésiter à activer cloche notification pour là, pour pas rater aucune vidéo, c'est Zami Pao Foucault. Après juge Karl Henri Destin te fin fait constat président Jovenel Moïse, eh bien, et constat ça a révélé que président prend 12 balles dans tête. Et 12 balles ça, li prend dans yeux, li prend dans tête et li prend dans oreilles tout. Donc, nous capables de comprendre 12 balles, tête ça, pas prêter là-dedans. Et ceci, balle yo prend, c'est pas ti balle qui piti. Et si balle yo prend très près, donc, bagay la man gomme. Et ceci nous capable de remarquer dans image là comment yo arrivé bandé tête président au moins nous capable dit ah ça c'est Jojo mais en fait président Jovenel Moïse était défiguré net. Eh bien petite fille président Jovenel Moïse là gè chance bail détail sous assassinat ça. Eh bien petite fille là qui c'est Jomar Li Moïse parce que les attaques là t'es faite il était en dedans kayla ti moun yo té là bien que yo té dans chambre yo mais ou connaît des fois les papa ou son grand chef ça c'est ou pas ka en bas pied tout le temps obligé rester dans chambre et ceci ou gen propre sécurité ou qui camper devant porte là tout qui pour surveiller petit président parce que tout le monde sous contrôle les que son famille présidentielle lui a suivi donc tout petit bagaille même chien dans la cour président lui-même li gen sécurité. Et bien mesdames mademoiselles et messieurs petite fille a expliqué ensemble avec juge là c'est que les bagailles là t'est passé à il était dans chambre ni. Et immédiatement, ou content des coups de balle pété en dedans, yon caille, moun qui te là, qui te se petite, qui te se madame, yon oblige chèchon côté abrité ou mais, comme on connaît, président lui-même, lui plus attaché, ou bien j'en te capable de dire, lui toujours ensemble avec madame, ni sûrement yon domine en même chambre. Donc, petite fille a expliqué ensemble avec juge là, les katouche tap tiré à, c'est que lui te en dedans chambre ni. Et ça le ouais seulement c'est que le ouais maman qui a baigné dans sang et rapidement il te prend lui transporté l'hôpital mais il pas aucune information sur assassinat papa li. Donc li ouais qui j'en maman t'a baigné dans sang mais malheureusement li pas gagné détail sur papa parce que on connaît assez à plus papa yo a prendre en affaire et ceci information fait quoi les que yo forcé président Jovenel Moïse parce que depuis dans route yo t'a prélé le soir pour le signer ou bien pour le bail vague même li dit non li pas signer rien li préférer mourir debout li préférer mourir tant qu'un soldat pas gagné que l'a fait. Donc mesdames mademoiselles et messieurs en pile monde bat brave yo dit président Jovenel mourir 7 mais mourir tant couillon héros et ceci pour sou moun li tap bataille ak moun li tap bataille prouver que moun sa yo son lâche parce que yo pa gen résistance si que c'est comme ça yo choisi passer ak la vie président. Donc mesdames mademoiselles et messieurs ti petit ta li même li déclaré que le pawe anye jos se maman li te wè ki tap bien ensemble. Donc jusqu'à présent poko gen yon témoin oculaire yon moun ki te la ki capable di mais comment bagay la passé et en attendant mesene sa yo parler. Parce que si yo te la yo participe nan assassinat, yo participe nan crime nan quand même, baga la fête devant des granger yo kapab bay détail. Comme étant donné, la police li même hier, li arrive vide à te 4 mesene et genye 2 la dan yo ki en bas code. Donc, pour un pile moun ki ap fait kwe que nan mesene sa yo pa gen haïtien, ma fok konnen nan mesene yo gen haïtien. Et ceci wap tan de vocal youn kap parler cap dit mes amis si n'pas déposer samedi et ap avancer yo ap tirer sous nous mes amis tant de bagay la bien oui tendez pas seulement garder une vidéo mais tendez chaque petit détail cap dit en dedans vidéo ça en aller
Okay, they say everybody do not shoot. They say they not our enemies, everybody do not shoot. Il a dit, messieurs, si nous parlons, opérateur va tirer sur nous. This is a DEA operation. Ok, il a dit, policiers, vous continuez à descendre, vous ne pas descendre, vous tirer sur nous. Oh my God. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, ou capable d'entendre, c'est que parmi messieurs, t'es gagné un grand haïtien. Parce que, on coupe pas ta qu'a fait consacre à un président pour que pas ta gagne haïtien qui est filtré, pas ta gagne haïtien qui a baillé détail, qui a baillé à gauche, qui a baillé à droite. Donc, yon journal dominicain déclaré gen yon gros chef parmi chef kap sécurisé président qui t'a participé dans zak sa qui la cause que monsieur yon entre kay président facile comme ça. Et bien mesdames mademoiselles et messieurs, yon nan monsieur yon même qui t'a essayé traverser frontière, la police en République dominicaine arrivé déposer la patte sous lit pour bien dit militaire parce que ou konnen depuis les zak sa fin passé président dominicain lui-même t'est déjà déclaré fermer toute frontière. Yon façon pour pièces moun pa traverser n'importe moun qui t'a passé pas hésiter mettel en bas code. Donc en ce sens yon a veye toute Colombie à toute Vénézuélien comme information fait quoi nan commando qui touye président et bien c'est à Vénézuélien ensemble avec Colombie et au même yon mette yon note d'ailleurs pour dire que c'est 7 moun qui participé nan assassinat président et ceci nan vidéo les n'ap gade nou qui va les colonnes machine k'ap file entre kay président. Donc information fait quoi que c'est 20 messieurs et yo poko ale qui côté yo caché c'est dans mon en l'air en barak là parce que ou konnen dans zone pèlerin pour passer monter charger pied bois. Donc messieurs en difficulté puisque depuis hier eh bien l'armée ensemble avec la police couvre tout bokay président yo ap veye en haut yo ap veye en bas et ceci si nous wè mesenè sa ou ka pété balle ensemble avec la police et la police arrivé vide 4 à terre c'est pas ti bagay ki piti pour moun ka mande image yo désolé gè des bagay que n pap ka ba ou nan vidéo la parce que ou konnen gè des images que nou pap ka poster nou pap ka partager ensemble avec nous konsa konsa. Donc pendant dernier moment yo la la police li même li déterminé yon façon pour le cap capable arriver sécuriser zone ça pour yo mari mercenaire yo parce que monsieur poko kite pays ya et pendant opération ça la police arrivé libérer 3 policiers qui ont été pris en otage donc la police tué 4 mercenaires yo arrêté de et yo libéré 3 policiers que monsieur ont été pris en otage donc mesdames mademoiselles et messieurs pour bien dire Jean bagaille la passé à là donc Jean juge la parlé assemblée c'est celle président Jovenel Moïse qui perdit la ville avec Martine Moïse qui blessé et qui prend soin dans pays étranger. Donc, pas de pièces moun encore qui victime. Est-ce que là, m'ka parlé de assassinat? Est-ce que là, c'est pas une mission qui était bien précis? Est-ce que monsieur pas de gon bio, pas de gon côté ou t'as pralé directement au Joss, rive faire ça y'a fait, exécuter, et puis y'a ramassé paquet y'a pour y'a aller parce que t'es pensé, bagay la tape aussi douce passer ça. Mais moi-même m'a dit arrêtez toutes mes sénés, tuez toutes mes sénés, ça pas qu'a fait président Jovenel Moïse lui-même, joue une justice li, donc c'est tout le monde qui impliqué de près ou de loin dans zak assassinat ça pour arriver mettre en bas code et pour connait qui est-ce qui était derrière de qui manigance parce que même si ou t'es fanatique ou pas mais yon président lui-même pas ka et perdit la ville dans yon état pareil pour kembe président pour défigurer le 21e siècle. Mesdames mademoiselles et messieurs et bien m'a dit ou toujours été connecté ensemble avec nous n'importe information qui tombe et bien n'a toujours là pour nous informer pour nous dire qui ça ka passé dans dossier ça. N'a fait place à Voix de l'Amérique pour les informations nationales et internationales. N'a tourné dans un petit temps qui pas trop long. Grand point cap dominé actualité a. Président Jovenel Moïse mouri assassiné dans résidence li bonnet jeudi mercredi et 7 juillet 2021 après un commando armé té lancé une attaque qui prend la ville et qui blessé tout première dame nan Martine Moïse. Docteur Claude Joseph toujours dans pays d'Haïti qui c'est premier ministre AI déclaré un état de siège et décrété 15 jours deuil national pendant que les lancé un appel au calme à la population. Et puis plusieurs
pays avec organisation internationale, parmi eux, organisation État américain avec Nations Unies, condamné assassinat président Jovenel Moïse là, et ils ont demandé pour traîner même commando qui commet crime là devant la justice. Donc c'est pour ça, yo, avec l'autre encore, nous allons développer pour aujourd'hui dans un programme spécial. Yo, l'autre fois encore, bienvenue dans le développement. Donc, tant qu'on te dit la nouvelle là, c'est le président Jovenel Moïse qui mourit. C'est la nouvelle ça qui fait le tour du monde. Premier ministre AIA, Dr. Claude Joseph Bonheur, dans ma tête après le confirmé nouvelle assassinat président Jovenel Moïse sous plusieurs radios dans la capitale là. Avant les pita dans journée, il te mette un message devant le peuple haïtien pour décréter un état de siège. Et il dit tout dans l'adresse ça que petit président en sécurité, première dame nan, a pour recevoir soin, première dame nan qui recevoir blessé dans l'attaque là. Mais avant, n'a pas pour nous retourner sous déclaration Premier ministre et à Dr. Claude Joseph. Pendant ce temps, nous gain avec nous ambassadeur pays d'Haïti dans Washington, Bokchi Edmond, qui déjà fait plusieurs présentations et jodia, notamment pour presse internationale là, dans Washington. Ambassadeur Edmond, c'est un plaisir, comme d'habitude, pour accueillir sur la Voix de l'Amérique. Bon, c'est un plaisir pour moi avec vous, même là, c'est une circonstance qui est vraiment regrettable là. Et ambassadeur Edmond, et oui, c'est une situation regrettable et en pile monde besoin d'informations. Yon commando entré la caille président. D'abord, grand pile rumeur qui a circulé sur la situation. Et première dame, qui soit qu'a dit nous? Qui dernière nouvelle ou gen pour nous? Bon, on va dire que première dame, li atterri, li Miami, li va prendre soin dans l'hôpital. Et un avion qui est évacué le matin. Et parce que selon information gain des situations stables mais elle est en situation en état critique mais espérant que le docteur va sauver la vie. Ambassadeur Edmond, une question qu'a posé et président c'est premier mandataire de la nation qui n'ont résidence hautement sécurisée qui gens pour on commande au fait entrer et puis nous pas tant des blessures il y a pas dit nous gain affrontement qui information gain sur ça. Bon, parler d'informations parce que je pense que comme autorité a fait enquête, je pense que enquête ça va révéler exactement ça qui passé. Et pour le moment, je vais faire spéculation, je vais vraiment faire commentaire sur ça que je pas gagner comme information. Et qui échange ou gain avec l'autre organisation internationale donc nous connaît qu'on a joué rôle représentant pays d'Haïti dans OEA par intérim, nous connaît que en contact avec la Maison Blanche. Dis-nous qui gens échangeait sous situation bon, dans pays d'Haïti. Bon, matin de conversation avec Maison Blanche, nous discuté sur présenter situation et nous présenté aux questions sécurité là qui ça qui grave et basé à pour réfléchir sur les tout et pour l'OEA, bon, c'est sûr actuellement là. Ça fait m'a pas arrêté avec vous parce que c'est sur forme grande dernière décision qui prend et demain matin Conseil de sécurité des Nations Unies a réuni sur Haïti. Et ambassadeur Bokchi Konya et PIA t'es gagné un premier ministre que défunt président t'es choisi gagné un président un premier ministre AI Konya qui prend les rênes du pouvoir et légalement qui en ça y est. Bon, écoutez, mon premier ministre qui était nommé, mais malheureusement, il n'y a pas de copain en fonction, parce qu'il était en processus pour former un gouvernement. Et comme un gouvernement qui était toujours là, en place, et je pense que le premier ministre par intérim, là, il y a une obligation pour les prendre contrôle de la situation en attendant qu'il y ait une clarification sur le processus. Là. Mais il est important, il faut que le pays ait des autorités, et par devant la face internationale, il faut nous montrer qu'il y a des interlocuteurs. Et par contre, le Premier ministre par intérim, là, c'est lui qui est en charge, c'est lui qui préside le Conseil des ministres là, pour le moment. Et nous, tant de rencontre côté guerre avec la presse internationale, et vous demandez une aide bon côté communauté internationale là, par rapport à la situation, nouveau développement ça, en Haïti. Est-ce qu'on a plus ou moins explicité nature et aide ça? Ah bon, tout simplement assistance technique, question de sécurité, renforcer la police nationale là et pour mettre des points de décision, ça qui concerne nous. Parce que Jean-Bala est là et il est important que faut gagner un accompagnement de Haïti et dans sa capture. Et je pense que la nécessaire pour sa fête. Et aide, il a une assistance technique, il a sous plusieurs formes. Et il y a des gens qui ont dit aide, des gens qui ont dit assistance, ouais, assistance militaire, et nous n'avons pas besoin de craindre ça? Pour surmonter. Bon, écoutez, nous n'avons pas besoin. C'est que l'essentiel, c'est que c'est l'autorité pour qui évaluer ça gagne avec l'international là, pour qu'on connaisse comment on va aider Haïti.
C'est pas un bagage qu'on apprend à la légère. C'est une situation qui existait. Et cela veut dire que l'important pour l'autorité de discuter avec les partenaires internationaux pour voir dans quelle mesure et quel type d'assistance qui est nécessaire. Mais l'essentiel, c'est que pour nous admettre qu'il y a un problème. Et si on commande un étranger à entrer dans le pays, il tue un président après le lever de sortie comme ça, ou bien s'il est toujours là, ou bien beaucoup sorti, et il est inacceptable. Et parce que la police noire est sous-équipée, il y a une série de structures qui n'est pas solide suffisamment. Mais c'est nécessaire pour faire une réévaluation totale et de système de sécurité, non. Parce que c'est important pour ça, fait. Ambassadeur Edmond, je connais que vous devez aller ou prendre une réunion organisation État américain. Est-ce que vous avez un bagage que vous avez dit dans un moment ça? Bon, le peuple haïtien pour qu'il y ait calme, même si c'est une situation regrettable, c'est un moment qui dure pour nous tous, c'est un choc. Mais on essaie d'utiliser le moment ça pour nous unir, nous, pour nous suspendre la division, pour nous, ouais, futur pays ça, futur Timon demain, qui pays n'a quitté pour nous. Ambassadeur Edmond, merci pour la disponibilité. Merci. C'était ambassadeur pays d'Haïti dans Washington, Bokchi Edmond, qui tapait par la venue de grands points cap dominé. Actualité A, pas seulement en Haïti, mais actualité mondiale là, c'est assassinat président et Jovenel Moïse, Lakaili, bonheur matin. Et tant qu'on a dit, nous allons retourner sous déclaration que le Premier ministre AIA, Dr. Claude Joseph, fait côté que les décrétés ont état de siège sous PIA. Entendez, Dr. Claude Joseph, qui c'est Premier ministre AI. Chef gouvernement qui est toujours en fonction, moi, une matin, un CSPN est spécial. Dans strict application article 149 Constitution, on fait que ce président un conseil ministre à l'extraordinaire. Côté nous décider déclarer état de siège sur tout le pays. On partage la peine. Madame Président, qui était trouvé ensemble avec lui en soirée ça, on partage la peine. Petit président, qui c'était en priorité pour moi depuis le matin, pour être en lieu sûr. Je demande aux populations pour garder calme. Je fais appel à l'intelligence des Haïtiens dans un moment difficile. Ça. Frère Maxime, nous connaissons qui bataille le président Tapmené. Nous connaissons le président Jovenel Moïse. C'était un homme qui vient pile courage. Tout le monde, tout secteur dans le pays, doit faire un seul pour condamner ce qui est arrivé. Les Haïtiens, gardez calme nous, parce que la situation est sous contrôle. Conseil ministre, nous réunis, je ne sais pas tout à l'heure, dans stricte application article 149 là, pour assurer la continuité de l'État. Président Jovenel Moïse, pape mourir sans le parvenir de justice. Pour katouyer, pour katouyer président Jovenel Moïse. On va katouyer l'idée de lui. Société nous souhaite. Pays nous voulons construire. C'est dans le respect principe et jouette démocratie pour nous arriver à joindre. Ce n'est pas non assassiner le monde qui gagne une idéologie différente à coup. Je demande toute force vive nation accompagner nous dans la bataille. Toute force vive nation accompagner nous dans la continuité de l'État. Parce que cette démocratie, cette république-là qui pour gagner. Force fait noyau, il y
a perdu quand même. Quoi fait pays à mal? Quoi fait nation à mal? Et quoi ça, l'amour ça, il pas prêté sans le pas puni. Encore une fois, sympathie avec famille, amis, alliés, président Jovenel Moïse. Je vous remercie CSPN que je préside jeudi à l'extraordinaire. Tout ministre qui est sous pied, sous deux pieds depuis le matin. Parce que ça qui passe, il faut nous comprendre. Auteur, assassin, président Jovenel Moïse, il a payé ça a fait devant la justice. Gardez calme nous. Sécurité pays a sous contrôle. Force vive nation. En nous chercher harmonie, en avancer ensemble. Pour pays a pas sombrer dans le chaos. Merci tout le monde. Donc c'était Premier ministre AIA, Dr. Claude Joseph, dans mi-temps journée qui mettait message ça devant la nation sous assassinat président Jovenel Moïse. Bonheur matin, t'as qu'on entendait Léon Commando qui t'a parlé panyol et anglais, t'es entré la Kaili et puis yo assassiné et madame ni a recevoir soin qu'on y a t'as qu'on nous entendait ambassadeur Edmond Bouchi se dit, eh ben la recevoir soin et à l'étranger. Donc, son situation très compliquée avec président Jovenel Moïse qui mourit matin. Autour sur la voie de l'Amérique, permettre depuis Washington, D.C., qu'on y a entré dans le chapitre réaction, surtout et à l'étranger. Napral d'abord et rejoindre Sandra Dominique, le maire, qui lui-même et pral gain l'autre réaction. Nous connaissons que la France réagit dans notre Conseil de sécurité Nations Unies qui condamne l'assassinat. Et Sandra a gagné tout et Washington qui réagit notamment président Joe Biden, gagné tout Nations Unies qui réagit et gagné OEA qui réagit et qui pral gon réunion là dans un petit moment. Sandra? Bonsoir Jacqueline, bonsoir tout le monde. Ça fait un petit temps nous pas parler ensemble. Justement Jacqueline, donc par rapport avec rencontre que l'OEA, organisation État américain, a fait sous Haïti, il a commencé à 2h30 après-midi. Il est toujours à dérouler. Kounyela, c'est ambassadeur haïtien dans Washington, Bouchi Edmond Cap Palais, la première. Tout le monde pour support que yo bay Haïti, limande yo pour yo condamner à toute force assassinat président Jovenel Moïse, limande pour yo aider Haïti à renforcer sécurité, et puis tout mener enquête pour joindre moun qui coupable pour assassinat ça. Donc tout pays yo à la ronde bader et les États-Unis, Canada, Brésil, Salvador, République Dominicaine, Saint-Lucie, Bahamas, Barbade, Panama, tout pays yo à la ronde bade yo tout condamné assassinat président Moïse jodi an, yo tout fait connait que yo solidaire avec peuple haïtien, yo dit que yo gen gros cœur sauté pour situation sécuritaire là en Haïti. Yo dit que yo appuyé tout effort qu'a fait pour la démocratie en Haïti, pour traiter la démocratie. Et puis l'autre bagaille là, comme dire que ambassadeur américain hein, et non l'OEA, Brad Friedan, fait qu'on est non seulement au gros saisissement que il s'est gagné le lit après nouvelle là, mais il fait qu'on est que les États-Unis paraient pour lui faire n'importe qui ça qui est nécessaire pour aider Haïti, et il lance appel à tout acteur politique en Haïti pour mettre sous côté toute
zizani que yo gagne entre yo, toute différence personnelle et pour yo travail ensemble en faveur peuple haïtien. Et Sandra, demain tout a bien ta cour ambassadeur se dit là, y a une réunion spéciale sur Haïti dans l'ONU. C'est ça, et le Conseil de sécurité de l'ONU a gagné une rencontre sous Haïti demain. Donc, l'absuive rencontre ça. Pas nous dit, Jacqueline, que yo fait une rencontre jeudi en tout, mais c'était une rencontre privée pour discuter sous assassinat. Et faut nous dit tout que le secrétaire général des Nations Unies s'est fait paraître, publié une déclaration sous situation en Haïti sous assassinat, côté que les condamnés à toute force. Il fait connaître que les Nations Unies condamné à toute force l'assassinat du président Moïse. Il fait connaître que Fok, monde qui commet crime ça et paraît devant la justice, les exprimé condoléances, les by peuple haïtien avec famille défunt président Moïse. Et il fait connaître que il lance appel by tout haïtien pour préserver l'ordre constitutionnel. Pour yo préserver la sécurité pays et rejeter tout acte violent. Merci Sandra. Sandra et Dominique, qui l'autre, pas parlé avec nous, mais je dis à nous son nouveau départ, là-bas avec nous encore demain, m'imaginez. Et donc, merci Sandra. Mais qui est la situation dans la capitale là, dans la zone qui tout près de la capitale là? Nous parlons d'abord dans la zone résidence président Jovenel Moïse, défunt président Jovenel Moïse, côté quelques résidents dans la zone. Abdi-nous, qui gens y ont été vivent événement ça? Nous avons un paquet de cartouches et que penser si c'est ça qui est arrivé, je pense que bon, comme tu as un match, mon cœur est content, il a fêté. Bon, c'est apprendre, m'apprendre ça dans la nouvelle tour, même gens avec nous. Il commence dans 1h du matin. Ok. 1h du matin et li fini peut-être 2h. Je travaille à 7h du soir, et excusez-moi, et je vais pas remarquer si je suis pas parce que je suis sous moto, juste pour moto, je suis là. Ça nous a dit, nous victimes de propre insécurité, nous. Et nous souhaitons, ça pas reproduit encore, mais nous souhaitons un autre président qui est pour l'assurer et que pour. Ou toujours sur la voie de l'Amérique qui permet depuis Washington. Et d'ici, nous t'attendons quelques habitants dans la zone pèlerin qui tapent réagir sur qui Jean yo t'attendait Bayo dans la zone côté Oya, dans pèlerin. Et c'est qu'on y a nous pour rejoindre correspondant dans Port-au-Prince. Renan Toussaint, et rapidement, dis-nous qui Jean capitale là est. Nous connaissons que depuis matin, bah, là, on tient tête chargée là avec assassinat président Jovenel Moïse là. Qui est en situation est dans Port-au-Prince ou dans zone aéroport, dans zone Delma, dans Grand Artério? Ok, on a dit que zone aéroport international, tout une ouverture, pas de circulation automobile et aéroport fermé, on connaît l'avion pas volé. C'est des mesures que le Premier ministre là, lui-même, lui prend dans le Conseil des ministres. Que j'ai dirigé, toute zone d'Elma et zone Chanmas, pas aucune activité qui fonctionnait dans le pays d'Haïti. Tant que la banque commerciale, tout magasin fermé. Et normalement, ou ka, ouais, c'est quelques grands monde qui a circulé à pied. Donc, on peut dire que y a un peu de réactions qui tombaient, notamment au niveau de la présidence du Sénat de la République. Le président du Sénat, sénateur Joseph Lambert, lui-même qui dit, lui émotionné en pile le fait qu'il apprenne qu'ils ont assassiné un président en fonction, et ça a étonné, ça a frappé l'empile, mais cependant, il constate le crime, ça, son crime odieux d'après ça dit, mais lui lance un appel urgent pour nécessité qui est pour gagner un grand dialogue inter-haïtien pour capable de déterminer l'avenir du pays d'Haïti, Jacques Mélisère. Donc, qui est en situation de sécurité? Est-ce que Jodia, Pagan, est-ce que Kijan? Qui j'ai en présence policière, je l'ai dit, qui a présence policière, par exemple, palais national, zone ça, est-ce que nous avons une présence policière qui peut manifester, qui est renforcée par rapport à l'autre jour? Oui, tout à fait. Quand vous êtes dans l'aéroport international, il y a plusieurs bacs policiers qui ont fait
sécurité et des blindés la police tout et la zone via Ducla quand il y a eu les cafous résistance là il y a des policiers il y a plusieurs des policiers qui là et la zone en bas la lui par exemple police en fait check out une fois un monde qui passe là il check out l'aime poser question pour me dire mais moi bon sécurité taille sécurité à l'emporté et puis police répondant pour nous dire que on connaît pays en état de siège donc il y a checké tout le monde. Même si les journalistes sont là, il faut que c'est quoi pour garder l'identité. Parce que pas oublier que nous faisons connaître, eh bien, c'est des mondes qui ont des nationalités étrangères qui ont débarqué en Ouaka, dans la résidence privée, président Jovenel Moïse, qui a assassiné. Donc, c'est notre star. Eh bien, ils ont renforcé la sécurité dans toute zone adjacente. En tout cas, ils visibles vraiment, tous les journalistes capables, il y a une mesure de sécurité qui est renforcée dans le cadre du fort. Pour qu'aimer la population hein, avec espoir, comme quoi l'ordre de sécurité l'établit, parce qu'on connaît que Dr. Claude Joseph, il a fait appel au calme pour la population hein, qui inquiète depuis le matin qui passe aussi. On voit tout le monde, par contre, ça va passer demain ou bien plus tard, à acheter de l'eau, acheter du riz, etc., à mettre la caillou pour connaître. Si par exemple, l'autre jour qu'a venu là, la situation a été même, pour être capable de donner des moyens adéquats pour être capable de suivre la caillou. Merci, Wena Toussaint. Wena Toussaint, c'est correspondant dans Port-au-Prince. Et pendant que nous parlons là, il y a une réaction qui sortit dans les Nations Unies. Et dans les Nations Unies, côté que la France lui-même qui prend une position sous nos conseils sécurité, et une autre fois encore, il est condamné. Nous connaissons que dans le moment où on a parlé là, il y a une organisation État américain qui a réuni et président ambassadeur pays d'Haïti dans Washington, Edmond Bouchy, qui était avec nous, et bien actuellement dans la réunion OEA, mais entendez la France lui-même qui prend une position sous nos conseils sécurité Nations Unies. Et malheureusement, et Régis fait, nous connaît que il y a un problème qui empêchait que nous joignions. N'a pas rejoindre Jean-Robert Philippe. Nous parlons rejoindre Jean-Robert Philippe, lui-même qui a l'autre réaction par rapport à l'assassinat et ça qui fait. Nous connaît que il y a une réaction qui sortit à l'étranger, mais il y a une réaction tout qui sortit localement. Et Jean-Robert, qui soit qu'a dit nous sur ça? Effectivement, Jacqueline, et réaction qui sortit d'abord en un pays étranger, il y a tout pays Amérique latine pratiquement qui condamné ça qui passait dans le pays d'Haïti, puis dans le pays Sahel. Il y a tout le gouvernement dominicain, par exemple, lui-même tout qui prend des mesures. Par exemple, il a déjà annoncé, le président Luis Abinader a annoncé que pour frontières fermées jusqu'à nouvel ordre, il a déjà déployé un contingent de soldats dominicains pour prendre position sur frontières. Poursuivre éventuellement pour assurer la sécurité qui doit gagner dans la zone. Sur le plan local, par exemple, l'idée politique, en fait, c'est tout un seul, toute l'idée politique et regroupement politique, mais pratiquement, et Jacqueline, vous faites voir, vous faites seul. Puis condamner ça qui passe là, puis condamner ça pendant que vous lancez appel tout, par la population, puis vous demandez la population, puis vous pas profiter de l'occasion, pour vous sortir dans la rue, à faire pillage, à faire des ordres, au côté de tout le monde, même Jean appel qui rejoint sa première ministre Santé lancé là, et pour au calme, pour tout le monde calmer, parce qu'en attendant pour que l'autorité vienne, puis vous avez les mots d'ordre, puis vous dites qui ça a fait et qui côté avancé à partir de jeudi là. Et nous connaissons que gain réaction qui sortit tout dans la classe politique là. Moi t'es capable par exemple li gain ancien président Michel Martelly qui réagit, gain docteur Reginald Boulos qui c'est leader MTV et ou gain réaction ça yo. Oui, Jacqueline, l'histoire est vraiment longue. C'est de rajouter, non, ancien président Justin Privert, par exemple, tout, qui lui-même, tout a ajouté, voilà, et qui condamne ça qui passe, et qui mandait autorité, pour faire tout ça, qu'on connaît, pour dégager, jeune monde qui posait action, ça, et mettait mes souris, retourner, devant la justice. Bien, tout, par exemple, ancien sénatrice, Sublice Bozir, qui c'est peut-être premier voix qui était sorti matin, pour le te condamner ça qui passe, et qui était même fait déclaration pour le dire que c'est vrai que, président Jovenel Moïse, c'est un adversaire nous lié, mais il n'y a pas non point pour nous, pour nous assurer la mort et que le condamné s'est passé avec une demande d'autorité pour nous faire tout ça capable, tout ça qu'on est, pour nous mettre les mains sur le monde qui a commis ça. Mais tout ça, ça a profité tout pour te dire que, et parti, il a dans l'an, peut-être ensemble avec l'autre membre coalition qu'il fait partie à tout, il n'a pas réuni eux-mêmes pour nous parler, pour nous faire une réponse dans les 72 heures pour peut-être,
parler avec le gouvernement actuel là et pour dire qui ça a été, quoi qui doit faire dans le moment ça. Est-ce qu'il y a un vide institutionnel? Non, parce que l'ancien premier ministre, le premier ministre, et Jean-Claude Joseph, les mêmes, c'est lui qui est en charge. Mais qui ça qui doit faire? Qu'on y a passé un paquet de dossiers qui sont tapis là et que. Puis il y a de avancer et que donc tu vas regarder toutes déclarations que l'idée au fait même par exemple en science et direction et Diopod par exemple fait des déclarations tout pour protéger tout et pour condamner ça par ça. Donc c'est toute une solidarité, toute une tête ensemble que tout le monde, tout leader politique yo peut-être exception qui peut apparaître, mais tout ça qui peut faire déclaration que ce soit sur les réseaux sociaux yo ou bien encore sur compte personnel yo, mais yo tout condamné ça passe à que trouver son bail qui normalement pas de plastique actuellement dans la société démocratique. Et Jean-Aubert, je connais que malheureusement, nous n'avons pas besoin de jouer pour téléspectateurs. Nous avons travaillé sur quelques hommes de la rue. Qui est un homme de la rue à Well? Et est-ce que vous pouvez résumer rapidement pour nous? En gros, nous avons dit homme de la rue à la même genre. Par exemple, il y a des gens qui dit que ils n'ont pas souhaité que le président Jovenel Moïse était mort et était mort de façon ça parce que ça aurait été souhaité eux-mêmes. C'est pour te comparer devant la justice. Mais il y a l'autre monde tout qui dit eux-mêmes que. Et ça qui passe à déplorer lui, à condamner lui, et que le président Jovenel te fait tout ça capable, il n'y a pas aucune raison pour te mourir parce que même si il y a un monde qui est lui-même prêt pour mourir parce qu'il est condamné, lui-même, il doit être sous quel secteur penser que qu'il est même responsable d'assassinat ça. Et Jean-Aubert Philippe, nous avons fini le programme plus ou moins avec une note plus réjouissante. En parlant de sport, Roger Federer est aujourd'hui a tombé sous surface de prédilection, et puis dans la douleur, Argentine, Calais, Colombie, hier soir pour la finale, et puis gon Danemark avec Angleterre qui a déroulé là. Oui, définitivement. Jean-Aubert content de bien parler de sport. Jacqueline, il est toujours 1-1, donc c'est vainqueur en contre ça, il parle en contre avec l'Italie, nous rappelons l'Italie, lui-même, il a éliminé l'Espagne. Et puis la bonne nouvelle pour nous-mêmes haïtiens, malgré nous n'en douleur pas nous, oui. C'est les sélections haïtiennes, donc Grenadiers, ils ont qualifié pour Coupe de CONCACAF là, ils ont même ensemble avec Guatemala, et puis qu'il y a toute l'équipe Trinidad Dato qui complétait 3 places, qui vient mettre total à 16 pays qui ont participé dans la Coupe de CONCACAF là, qui a commencé le 10. Et bien, nous dit que c'est la vie pendant que pays a vivre en situation tête chargée comme ça, mais fanatique Bouliorité a obtenu un classico entre le Brésil avec l'Argentine. Nous connaît. Oui, en pile, bah, dit pour Messi, pour Diablo, dit que j'espère que Messi, au fois, la BC, bah, Argentine, yon coupe qui est aussi important parce que Argentine vient dans deux finales déjà, ça pas marché. Et j'espère une fois ça que Messi t'a semblé que li préparer lui en forme pour l'Ouest, s'il t'a cap au moins by pays y ont trophée qui est aussi important pour Argentin yo mais tout pour région à tout et nous connaît que dans qui moment que Argentine l'élite de organiser compétition mais malheureusement problème et sanitaire fait qu'il pas organiser compétition mais son France final classique j'en dis là et tout le monde t'a attendu t'as pas le final comme ça et non seulement pour nous était pour nous bon boulot à couler. Eh bien, ok, merci Jean-Aubert. Jean-Aubert Philippe, tu es parlé avec nous par Skype depuis Buroli pour te dire quelques réactions et puis parler sport. Nous pratiquement arrivés dans le fin programme. Mes amis, nous avons rappelé nous, grand point, qui te domine l'actualité parce que c'est un programme spécial que nous avons gagné. Pas oublier que nous avons l'autre programme, nous avons un programme à 5 encore, le Washington, et parce que la Voix de l'Amérique décrétait la permanence avec assassinat président Jovenel Moïse, ça qui arrive matin, bonheur, je vous dis, mercredi, après un commando a metté entré la caille, lancé une attaque, et tué président, madame ni est blessé grave, il est actuellement à recevoir soin à l'étranger. Merci Demarat, merci Zorniak, merci tout l'autre monde qui a participé dans le programme, moi c'est Jacques Lambélizer. M'ramasse paquet moi, cause habitant pas misé la ville. M'prale, mais m'ap kito nan bra papa bonji, parce que c'est lui-même celle qui capable protéger ou, ba ou la vie ak la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde, n'ap croisé dans l'autre vidéo. Au revoir.